Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Oui, c'est KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, souvent, on vous donne des cours d'histoire avec quelqu'un que vous appréciez. Bien sûr, il est avec moi sur le plateau. Maël est avec moi. Qu'a nous fait? Eh bien, nous bien. Et il faut que je te donne ton titre, docteur Lavener Pinault, parce que oui, c'est un docteur en recherche. Historique, bien entendu, tu as sorti ton application Ergiverte. Reparlons-en parce que ça fait un moment que tu n'es pas venu nous voir. C'est vrai, c'est vrai. Tu bosses énormément, tu tournes d'ailleurs pour cette application. Peux-tu nous représenter Ergiverte? Alors, Ergiverte Learning, c'est une université populaire en ligne avec aujourd'hui un peu plus d'un millier de membres. Avec la grâce, les choses se font progressivement. Donc, cette application a bien été reçue par, par tout un peuple. Par le public. Tu parles à qui? Tu parles aux Caribéens, aux Africains? Tu parles à qui? Alors, il y a beaucoup de gens de chez nous, Guadeloupe, anti-française. Et on a aussi beaucoup de gens de la région parisienne, Île-de-France. Et là, justement, je vais, mais on va en parler dans, l'actu, je vais un petit peu vers les frères de la diaspora francophone sur le continent africain pour faire cette connexion, leur faire saisir l'importance de connaître cette histoire de la Caraïbe, comprendre nos problématiques un peu à chacun pour chacun justement apporter une réflexion qui nous permette de poser des choses intéressantes. Voilà, parce qu'en fait, c'est votre histoire, encore une fois, sur une application, il suffit simplement de la télécharger et il vous donne des cours sur votre histoire. Et ouais, plus besoin d'aller prendre le bus, surtout que maintenant il y a le couvre-feu, le confinement, aller dans les bibliothèques pour chercher les bouquins, il le fait pour vous. Alors, quelles sont les nouveautés? Parce que la dernière fois que vous avez parlé, en fait, présenté l'application, ça remonte déjà à voir un an, voire plus, le temps il passe de fou. Donc, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que tu as ajouté sur cette application? Eh bien, tout récemment, on est passé à notre V2, V2 Ergiverte, donc toujours pour aller un petit peu plus loin. Et surtout, ce qu'on a changé, c'est le modèle. Là, pour une progression e-learning plus simple, plus pratique, je propose un abonnement annuel. Comme ça, on a le temps de progresser dans la connaissance tranquillement par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis, on va commencer à multiplier les lives aussi sur les réseaux pour faire des échanges par rapport au cours, avoir un retour par rapport à tous ceux qui suivent pour brasser un peu tout ça, qui a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, comment on va plus en profondeur. Et puis, on continue, il y a des fonctionnalités que j'attends de pouvoir développer aussi. Donc ça, c'est toute la communauté qui me permettra de le faire, rajouter des commentaires, de l'interaction, un espace de discussion aussi. Et puis, d'autres choses encore, je ne dis même pas tout parce qu'on peut aller très loin. Donc voilà, l'idée, c'est de fédérer une belle activité, une belle dynamique sur cette histoire. C'est des cours en ligne, des vidéos podcasts de quelques minutes et on avance progressivement. Et justement, pour ce mois de mai, mois de commémoration des abolitions, on a une nouvelle thématique, un nouveau cours au programme avec comme question, une question qui, selon moi, touche tout le monde, interpelle tout le monde, mais un peu plus particulièrement les afro-descendants. Afro-caribéens, afro-américains, pourquoi les Noirs africains? Voilà, pourquoi les Noirs africains? Pourquoi les Noirs africains? Et en fait, tout simplement, comprendre comment, par quel processus historique, les Noirs africains se retrouvent très massivement réduits en esclavage en Amérique et dans la Caraïbe à partir du XVIe siècle, sachant qu'on a vu dans le cours précédent que les populations autochtones sont des populations qui viennent du bassin amazonien, des populations amérindiennes. Elles sont rejointes par les Européens, donc sur la couronne d'Espagne, dans ce qu'on appelle le choc des civilisations. Donc, on a souvent parlé de l'arrivée de Christophe Colomb, tout ça, on connaît tout ça. Et comment on peut comprendre que dans une configuration comme celle-là, ce sont les Noirs africains qui, au départ, n'ont rien à voir avec tout ça, j'ai envie de dire, qui se retrouvent finalement massivement réduits en esclavage. J'adore parce que là, on voit vraiment que c'est un professeur. Là, on a l'impression d'être à l'école. C'est fou, les gens t'écoutent, disent « Oh là là, j'ai l'impression d'être en terminale. » Ben, tant mieux. Le bac à la fin de l'année. Voilà. Et tout ça encore, c'est disponible encore une fois sur une application. Profitez-en, il y a le couvre-feu et le confinement. J'avoue, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu peux répondre, je dirais rapidement, on ne peut pas tout bien sûr expliquer, mais pourquoi les Noirs africains? Comment ils se sont retrouvés dedans? Alors, moi, je pars sur mon analyse, c'est que pour arriver à. Pour tenter, déjà, il faut bien comprendre qu'on tente de répondre à la question.
Donc, on réunit une documentation, une argumentation pour ce faire, mais il n'y a pas de vérité absolue. Ma réponse n'est pas la réponse fondamentale. Ouais. Par contre, c'est une réponse appuyée et tout le monde verra un petit peu ce qu'on peut en faire. Moi, je pense que c'est un processus qui remonte à plusieurs siècles. Ouais. On va remonter au 8e siècle, au 7e siècle de notre ère. Donc, on est des siècles avant même l'arrivée des Européens en Amérique. Ouais. Et c'est selon moi un processus très long qui va nous emmener, on va parler de l'Asie, on va même parler de l'Égypte pharaonique, pour tout te dire, okay. pour parler des premiers captifs noirs assimilables à un régime de servitude. Ouais. Et puis on va progresser pour arriver à ce moment où, au XVIe siècle, on choisit les captifs noirs africains pour être cette main-d'œuvre qui va permettre d'exploiter le Nouveau Monde. Donc voilà, un long processus. On va parler de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, des Portugais quand ils vont découvrir le littoral africain. Et puis, on va essayer de problématiser tout ça autour d'un concept de sciences sociales que je vous laisse découvrir, c'est celui de représentation. Okay. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout bête, mais chacun, aujourd'hui, on a une façon de voir les choses qui est liée, en fait, à ce qu'on appelle des normes sociales qui sont liées à notre éducation, qui sont liées aux valeurs qui sont diffusées dans nos sociétés. Ouais. Et toutes ces valeurs, toutes ces normes, elles font ce qu'on appelle notre imaginaire. C'est-à-dire que, bon, ben, peut-être en tant que Caribéen, en tant que Guadeloupéen, on peut avoir un imaginaire, on va se représenter, je ne sais pas moi, la voiture ou la famille de telle manière. Ouais. On va prendre quelqu'un en Malaisie, peut-être qu'il va se représenter la famille ou des éléments matériels de notre vie comme de manière complètement différente. Mm. Et en fait, c'est cette façon de voir les choses, cette vision, elle nous guide dans nos actes, elle nous guide dans nos justifications, et on comprendra justement comment les Espagnols sont arrivés à justifier moralement et économiquement qu'ils pouvaient réduire ces hommes en esclavage. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va fouiller, secouer bien propre pour tenter d'avoir des réponses. Et ça donne envie, franchement, tu teases le truc super bien, encore une fois. N'hésitez pas, RG Vert, l'application est là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste, parce que peut-être que les téléspectateurs n'avaient pas suivi l'explication du nom RG Vert, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que ça veut dire? Alors, RG Vert, c'est très simple. Hein. C'est la contraction de rouge, jaune, vert, qui sont un état d'esprit, qui symbolise une identité, c'est-à-dire celle de voir l'histoire d'une manière très globale. Ouais. Comme je l'ai présenté là, pour parler de l'esclavage en Amérique, je ne me contente pas de parler de la Caraïbe, des Antilles. On voyage loin, on voyage au plus loin dans le temps et dans l'espace. Et c'est un petit peu cette vision-là. Rouge, jaune, vert, ce sont des couleurs qui symbolisent l'histoire de l'humanité. Ouais. L'Éthiopie, l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Et pour moi, si on ne comprend pas qu'on a une seule et même origine, on aura du mal à comprendre beaucoup de choses beaucoup plus complexes sur cette histoire. Et cette histoire de la Caraïbe, en fait, c'est une histoire du monde. C'est une histoire de l'humanité, exact. Avec ses problématiques, mais qui reste une histoire du monde et de l'humanité. Et là, en double écran, justement, on peut voir le logo. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ton choix, voilà, pour ce logo? Parce que chaque partie du logo a une signification. A sa signification, c'est vrai. Alors, dans cet esprit RG Vert, donc approche globale de l'histoire, j'ai choisi de couler cette histoire de la Caraïbe avec trois symboles. Ouais. Donc en rouge, on a ce qui symbolise un sabre, en fait. C'est un sabre sur lequel on va avoir une petite goutte. Cette petite goutte, c'est à la fois une goutte de sueur, comme une goutte de sang, comme une petite pleure, qui symbolise tous les sentiments, les émotions générées par l'économie sucrière qui a marqué cette histoire caribéenne. Ouais. Au centre, on a une étoile qui symbolise le soleil, qui symbolise le milieu tropical, qui a conditionné aussi, on va dire, l'économie, le milieu, la façon de vivre, et qui symbolise aussi cette étoile, l'idée de s'élever aussi. Okay. S'élever vers la connaissance. Touch the sky. Touch the sky, et sans limite. Exact. Et voilà, s'élever, élever son esprit, aller vers plus de connaissances pour comprendre les choses. Et puis, en vert, on a ce qui représente une feuille de tabac, okay. qui a été d'abord cultivée, en fait, par les Kalina. Justement, population, civilisation amérindienne de la Caraïbe, pour montrer ce lien, cette filiation qu'on a avec ces premiers habitants, ces premières civilisations autochtones de la Caraïbe. Voilà. Excellent, quelle définition. Si jamais on recherche encore une fois un autre drapeau dans le futur, moi je vais poursuivre. On ne sait jamais. Pour l'instant, on a le fameux drapeau que tout le monde connaît, mais voilà, celui-là, il est excellent, la signification, il est dingue. Maintenant, mets-moi de commémoration des abolitions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moi, pour nous, pourquoi est-il important et pourquoi, surtout, d'où sort le choix de ces dates, que ce soit pour la Martinique ou même pour la Guadeloupe? Alors,
Les dates qui ont été choisies sont liées à cette question de l'émancipation. S'il faut parler des dates, en Martinique, on a le 22 mai, qui correspond à une révolte massive des esclaves dans la zone de Saint-Pierre, et qui va conduire le gouverneur de la Martinique à abolir l'esclavage le 23 mai. Donc le choix de la date du 22 mai est vraiment conditionné par, c'est quelque chose qui a été impulsé par des militants martiniquais dans les années 80, si je ne me trompe pas, pour faire ressortir la combativité des esclaves dans ce processus, les esclaves n'ayant pas attendu l'application d'un décret qui avait été voté le 27 avril, au niveau du gouvernement et qui traversait l'Atlantique. Parce que ça prend du temps. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. C'était par bateau. Donc, ils prennent la décision, mais il faut que ça arrive ici. Et j'ai envie de dire, comment des hommes peuvent-ils attendre, comment des hommes et des femmes peuvent-ils attendre encore une liberté qu'ils voient poindre, alors qu'effectivement, on peut bouger les choses. Exact. Donc, c'est un petit peu cet esprit-là qu'elle symbolise, la date du 22 mai. Ce qui se passe, la Guadeloupe et la Martinique sont deux colonies liés par la colonisation française. Du coup, chaque événement majeur d'un côté a des répercussions sur l'autre. Et ça, on va le voir dans toute l'histoire de ces deux territoires, même au XXe siècle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur de la Guadeloupe, par rapport à cet événement, réunit le 27 mai son conseil privé de manière tout à fait urgente et exceptionnelle. Il est réuni à 6 heures du matin. Ils vont délibérer pendant 3 heures jusqu'à 9 heures et proclamer à leur tour l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, parce que vu qu'elle a été anticipée en Martinique, il n'y a aucune raison de le faire, si ce n'est que de précipiter peut-être certains voyages par bateau, parce que justement les gens sont impatients, c'est tout à fait normal. Et sachant que les colonies britanniques ayant déjà aboli l'esclavage entre 1833 et 1838, il y avait déjà un marronnage maritime entre la Guadeloupe et la Martinique vers la Dominique pour toucher cette liberté. Donc, si vous voulez, les gens doivent comprendre que les deux dates sont liées, parce que ce sont deux territoires qui sont liés, et à partir du moment où on a bougé les choses dans un territoire, on est obligé de faire quelque chose dans l'autre. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit encore même aujourd'hui. Voilà. Justement, tu as utilisé le mot marronnage. Mm-hmm. Peux-tu expliquer ce qu'est le marronnage pour nos jeunes, pour nos tout petits qui nous regardent? Voilà. Alors, là où dit comme ça que son marron, c'est qu'on a la capacité d'émanciper. Ouais. Bon. Le marronnage, c'est tout simplement cette recherche de la liberté dans le système esclavagiste et le refus de la soumission. Le marronnage, il pouvait passer. Le marronnage le plus important, c'est celui qui consistait à fuir une habitation et souvent à aller trouver refuge dans la forêt domaniale ou dans les hauteurs, dans les montagnes. Exact. On a eu quelques camps de marrons en Guadeloupe. Ce marronnage était vraiment très fort en Jamaïque, où il y a carrément une société de marrons qui s'est constituée, qui a laissé une empreinte très forte dans l'histoire jamaïcaine. Là, il y avait un personnage, une femme. Nanny of the Maroons, dont on a parlé dans l'application. Exactement. Aussi au mois de décembre. Faites une petite recherche ou allez sur Archiverte pour savoir qui était ce personnage qui a mené des armées comme personne. Très, très importante. Très importante. Carrément une des chefs des camps marrons. Exact. Et c'était une femme. Et que ferions-nous sans la femme? Je ne sais pas. Et les femmes ont une place très importante dans tous les processus qui permettent de comprendre cette histoire de la Caraïbe. Tout à fait. Donc, on ne va pas en dire plus parce que c'est vraiment très, très long. J'ai fait une publication. Le mois de décembre 2020 était vraiment lié à ça. Avec l'historienne Clara Palmis, elle nous a fait une intervention. Où en est-on dans l'histoire des femmes, dans l'histoire des Antilles-Françaises et de la Caraïbe? Et là, vraiment, elle nous a fait un beau tableau des dernières avancées, de comment la question des femmes dans l'esclavage a évolué, les combats. On a beaucoup de combats qui ont été menés dans toute la Caraïbe, à Cuba, en Jamaïque et chez nous aussi. Donc, tous ces personnages sont mis en lumière parce qu'effectivement, ce sont des femmes importantes dans notre histoire. Tu sais que tu viens de trouver le prochain thème de ton prochain passage? Eh bien, pourquoi si pas. Si tu veux même venir avec elle, il n'y a pas de souci. Ah ben, vous venez à deux et puis on est. Je n'y manquerai pas. Non, parce que c'est un sujet super intéressant. Ouais, d'ailleurs, ça se voit encore un petit peu aujourd'hui. Toutes celles qui sont devant, machin, c'est encore des femmes. Dès qu'il y a un coup de gueule à donner, ce sont les femmes qui sont devant, qui. Elles y font comme ça. Pourquoi elles y font? Pourquoi? Juste, t'as une réponse à ça? Alors là, ou on laisse la réponse pour On va tenter d'y répondre avec notre invité. Ok, pas de souci.
Ouais, c'est une bonne, question. Réagissez sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi les femmes y vont toujours avant les hommes? Est-ce que c'est dans nos sociétés ou est-ce que c'est général? C'est plein de questions. C'est plein de petites questions. Mm-hmm. Déjà, on est sur une émission et on travaille déjà sur l'autre émission. Ça va vite et clair, Mais revenons donc sur le marronnage. Le marronnage, donc je disais qu'il y a un premier type de marronnage qui consiste à fuir l'habitation, chercher les hauteurs, chercher à s'émanciper donc physiquement de l'habitation qui fonctionne, comme on dit, en autarcie. C'est-à-dire que l'habitation, c'est un milieu un peu fermé dont le chef est le maître et c'est lui qui dicte sa loi sur l'habitation. Et les habitations ne sont pas forcément liées les unes aux autres. Donc, on peut être soumis à la servitude sur une plantation sans toujours avoir la possibilité de se déplacer, parce que c'est ça aussi, être contraint physiquement, j'ai envie de dire. Ça peut faire écho à... Ça vous fait penser à quelque chose? Bref. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir de la plantation. Donc, il y a... Ce parallèle entre le passé et le présent, oh, docteur Lavenia Pinot. J'ai envie de dire, même sans faire exprès, ça Même sans faire exprès, c'est le génie. Je te jure. Et du coup, il y a cette contrainte physique et fuir la plantation, c'est essayer pour la majorité d'aller sur les hauteurs. Okay. Mais ce marronnage, il y a aussi ce qu'on appelle le marronnage urbain. C'est-à-dire qu'en fait, une autre stratégie, c'est de se fondre dans ce milieu de la ville qui est un milieu où, dans l'organisation des choses, les esclaves ont déjà plus de liberté que dans ce fameux monde de la plantation. Dans les esclaves qui travaillent dans le milieu urbain, souvent, ils ont plus de responsabilités. Ils ont la possibilité des fois de réunir en petit pécule, soit avec l'autorisation de leur maître. Ils gèrent des magasins et ils ont un peu justement ce côté géreur et ils s'insèrent un petit peu plus dans la vie économique et sociale. Donc, ils ont une marge de liberté, je trouve, je dirais en tout cas, plus ample que ceux, que surtout les esclaves des champs sur les habitations. Et donc, pour certains, la stratégie est aussi de se fondre dans un milieu urbain où ça paraîtra tout naturel, entre guillemets, que je puisse fonctionner comme un libre. Puisque, comme un libre, on s'entend bien, la personne garde son statut servile, mais elle a quand même plus de possibilités que dans l'habitation. Et donc, un troisième mode de marronnage qui s'est développé, comme je l'ai dit, à partir des années 1830, c'est le marronnage maritime parce que, sachant que sur une autre île voisine, là où les Trois-Rivières Capestène, donc voilà Dominique, exact. À côté, et sachant que sur une île voisine comme ça, tu as la liberté, on va combattre, on va passer. Voilà, même Anticone, en tout cas, tu construis un truc avec des bambous et tu y vas. Et puis, ça montre aussi qu'en fait, on fonctionne souvent de manière ilienne, j'ai envie de dire, en tant que Caribéen, mais en fait, cette Caraïbe qui était déjà un maillon d'île pour les Kalinas, par exemple, qui l'utilisait vraiment, qui s'organisait comme en utilisant toutes les îles, en fait, les relations maritimes entre chaque île ont toujours été très, très fortes et très importantes. Et donc, même sans ce marronnage maritime, il y avait déjà des cabotages, des échanges. Et c'est vrai que souvent, on oublie cet aspect-là. Des fois, on a tendance à s'ancrer sur un territoire. Moi, je suis guadeloupéen, moi, je suis martiniquais, moi, je suis dominicain. Et quand on regarde, il y a souvent des liens. Il y a souvent un petit qui est sorti de telle île, qui se retrouve dans nos ancêtres. Et en fait, c'est ça être caribéen quand on regarde. Eh oui, on ne vous le dira jamais assez. Nous ne formons qu'un seul peuple, la Caraïbe, we are one. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on envoie tout notre love à Saint-Vincent pendant cette épreuve compliquée qu'ils sont très en train de vivre. Alors, maintenant que tu as donné envie à tout le monde de, je dirais, de fouiller dans sa propre histoire, c'est l'heure maintenant de savoir où aller télécharger RJVR ou même te contacter pour peut-être te poser des questions, échanger avec toi, participer à tes cours. Est-ce que tu es connecté sur Internet? Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as Twitter, Instagram? Est-ce que tu as même un numéro de téléphone? Vas-y, donne tout de toute façon. On est sur les... Ça va s'afficher. On est sur les réseaux. Si. On est sur les réseaux, sur Instagram, je suis joignable, à PRJVR, sur Facebook aussi, RJVR Learning. Et puis, c'est vrai que j'ai oublié de le laisser. On trouvera l'adresse, de toute façon, l'adresse mail pour me contacter sur le site internet rjvr.com. Je suis très, très disponible, très joignable, notamment pour des projets qui tournent autour de l'histoire ou des questions par rapport à l'appli. Et puis, on fera, comme j'ai dit, des lives sur ces réseaux-là, Instagram, Facebook, pour tous ceux qui ont des questions à poser sur les cours, interagir un petit peu.
développer Excellent. Tout ce qu'il y a à développer. Sachant aussi que depuis l'application, on peut me poser des questions directement par rapport à certaines vidéos. Et moi, je répondrai avec des petites vidéos justement sur l'ensemble des questions. Je n'ai pas encore commencé, on va commencer au mois de juin et on va balancer, voilà. En tout cas, merci pour le travail que tu fais, c'est énorme. Merci de passer sur le plateau pour nous expliquer un petit peu mieux notre histoire. Le prochain thème a été trouvé, donc tu l'appelles, tu lui dis est-ce qu'elle est OK. Si elle est OK, dès la semaine prochaine, on fait ça. Ah, je suis chaud, là, vous m'avez chauffé. C'est ça, là, chaud. Le thème de la femme, le rôle de la c'est femme, vrai que c'est bien. Et puis c'est important. C'est important à savoir. À bien poser, à bien mettre en lumière. Et moi, je ne voudrais pas quitter l'émission quand même sans te remercier, toi. Un gros big up. C'est gratuit. C'est un plaisir que tu m'invites. Et voilà, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc voilà, gros big up à Stylie aussi pour son état d'esprit et la force que tu nous donnes. C'est grâce à vous. Voilà. Vous me donnez tellement de puissance, tellement de joie. Je suis content de vous recevoir. Le plaisir. Franchement, merci encore pour le travail. Il n'y a que des merci. Merci à vous de nous regarder aussi. En tout cas, le thème a été trouvé. J'attends ton retour. Je te dis à très vite. À très vite. Nous, on se dit aussi à très vite, c'est-à-dire demain, et oui, même heure, même chaîne. Juste avant de se quitter, bien sûr, j'aimerais remercier, je vous ai dit, on est dans le quart d'heure des remerciements, l'écran, et oui, ce magasin qui m'habille de la tête aux pieds, direction Basse-Terre. On vous donne donc rendez-vous demain sur la chaîne 23 de Canal Satellite et Claire TV. À demain.